112 tonnes d'attiéké. C'est la production mensuelle des femmes d'Adiekoro dans la commune de Diabo. Cette production rapporte chaque mois à ces femmes plus de 9 millions de francs CFA. La fabrication de l'attiéké est devenue depuis 2002 une source de revenus pour les femmes des sous-préfectures de Langibonou et de Diabo. La transformation du manioc en attiéké donne les moyens à ces femmes rurales de lutter contre la pauvreté et surtout d'assurer leur autonomie financière. Leurs productions sont acheminées vers Bouaké et Abidjan, où une partie est exportée dans les autres pays de la sous-région. Les prix pratiqués par la chaîne des acheteurs-revendeurs n'est pas du goût des productrices. Ça ne nous convient pas, mais on est obligé de faire. Un peu qu'on gagne. En tout cas, on prend pour nourrir nos familles. Les femmes nous imposent leurs prix qui ne nous arrangent pas. On n'a pas le choix. Nous sommes obligés d'accepter les prix. On demande à la première dame et les personnes de bonne volonté de nous aider à nous en sortir. Outre les prix dérisoires que leur imposent les preneurs, les femmes d'Adiekoro rencontrent d'énormes difficultés dans l'exercice de leur métier. Manque d'esprit coopératif et de matériel pour la modernisation de l'activité en vue de l'augmentation de la production. Un encadrement agricole est plus que nécessaire pour permettre à ces femmes de tirer largement profit de leur production.